Nous sommes aujourd'hui au lancement du projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1. C'est l'aboutissement d'un long travail de préparation avec la Banque africaine de développement qui a confirmé sa foi dans le programme de développement agricole de notre pays, dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de développer l'agriculture. Et nous sommes aujourd'hui donc focalisé sur la redynamisation du programme Graines. Ce sont près de 65 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans notre économie directement à la direction des Gabonais. Non seulement une agriculture de production, une agriculture de transformation et une agriculture de commercialisation où les Gabonais prennent en main tous les canaux de distribution comme le fait aujourd'hui la Sotrader. La Sotrader travaille à mettre en place des points graines partout à travers le pays. Je suis très heureux aujourd'hui et je souhaite que tous mes compatriotes, les jeunes, fassent enfin ce retour à la terre massif qui est la meilleure des options, l'unique option que nous ayons dans notre pays, nous qui sommes issus de la terre, issus de la ruralité. Le Premier ministre a lancé le projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1. C'est un projet d'appui. Donc, vous savez qu'en 2014, le président de la République a lancé le programme Graines dans le Goévindo. Et ce programme a connu beaucoup de contraintes durant les 4 premières années d'exécution. Donc, le programme Graines vient pour appuyer, renforcer, n'est-ce pas, pour essayer de lever les contraintes de ce programme et permettre ainsi à notre pays d'augmenter sa production en produits agricoles, notamment dans le domaine du vivrier, et rendre le Gabon autosuffisant, exporteur net d'huile de palme. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour le Gabon et très important pour la Banque africaine de développement, parce qu'aujourd'hui, nous lançons le projet d'appui au programme Graines. Le programme Graines qui est un des programmes phares du gouvernement gabonais. Et nous arrivons avec un financement colossal quand même, c'est plus de 90 millions d'euros, on dépasse les 60 milliards de francs CFA. Et pourquoi on vient avec ces montants-là et pour quel secteur? On vient avec ces montants-là parce que le Gabon a un potentiel incroyable et unique même, je dirais, en matière de l'agriculture.